Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, je viens de lancer les notifications. Bonjour, bienvenue. On va un petit peu attendre que tout le monde arrive. Bonjour, bonjour. Je vous remercie de venir vous joindre à moi ce soir pour cette séance de yoga du rire. Il est pile 19 h. On est tous à l'heure, on va peut-être attendre une ou deux petites minutes les retardataires, sait-on jamais. Alors je ne sais pas pour vous, mais ici en France, donc chez nous, il est 1 h de plus, il est 20 h. On a eu, en tout cas de là où j'habite, du côté de La Rochelle, un temps absolument magnifique et merveilleux aujourd'hui. On a même eu très chaud, j'imagine que chez vous, ça a dû être encore plus. Et puis, donc j'ai été au bord de la plage et là, franchement, je suis plein d'énergie. Je n'ai qu'une envie, c'est de rire et de rire. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, je suis désolée, je ne vais pas pouvoir dire vos noms à chaque fois parce que je ne vois pas très bien. L'écran est un petit peu loin. Voilà. Eh bien, on va commencer, hein, puisque quand même, les autres rattraperont. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Sylvie Cormoul-Soulès, j'habite en France, je suis professeure de yoga du rire et ambassadrice. Et donc, aujourd'hui, nous allons faire une séance de yoga du rire. On en a déjà eu plusieurs en live, sur les lives, sur le groupe. Mais comme à chaque fois, il se peut qu'il y ait des nouvelles personnes. À chaque fois, je redis un petit peu. Alors, le yoga du rire, moi, ça m'est arrivé parce que je suis comédienne et qu'un jour, j'ai fait un stage de clown où il y avait du yoga du rire. Et le rire m'a beaucoup interpellée. Le yoga du rire, au départ, pas trop. Et puis, à force de me documenter, je me suis dit, allez hop, lançons-nous. Et c'est vrai que c'est une réelle méthode fantastique. Moi personnellement, je suis atteinte de polyarthrite rhumatoïde et de fibromyalgie. Et c'est vrai que grâce au yoga du rire, cela me permet d'avoir des petits temps de repos au niveau de mes douleurs. Et puis surtout de devenir beaucoup plus positive, d'être positive dans la vie. Plus ça va, plus on rit, plus on devient positif. Donc aujourd'hui, on va faire une séance pas de rire. Tout simplement. Les séances sont divisées en trois parties. La première, c'est un échauffement, puisque le yoga du rire et le rire, c'est quand même quelque chose d'un petit peu physique. Alors attention, si même vous avez des problèmes de santé ou si vous êtes un peu patraque, un peu fatigué, surtout n'en faites pas trop. On n'est pas là pour se faire du mal, on est là pour se faire du bien. Donc, si jamais ça va trop vite, que c'est trop fort, ben vous faites que la moitié des exercices. Où vous vous installez, vous vous asseyez, vous soufflez un petit peu et vous profitez des rires. Voilà, tout simplement, une fois de plus, on est là pour se faire du bien, on n'est pas là pour se faire du mal. Ensuite, l'échauffement, il y a une partie de rire et on termine par une séance de retour au calme. Pour arriver à avoir le maximum des bénéfices du rire, il faudrait rire entre 15 et 20 minutes non-stop par jour. Et vous allez voir, c'est pas évident. Mais grâce à la méthode du yoga du rire, on y arrive. C'est faire du rire pratiquement une activité physique. Avec en plus le côté super sympathique de rigoler quand même. C'est quand même vachement mieux que de tourner autour d'un stade, ou de courir, ou de soulever des poids. Enfin voilà, on a tous les bénéfices sans le côté un petit peu compliqué qu'il peut y avoir. Ok, donc c'est parti. Je vous invite. Alors, on va faire une séance encore une fois assise. Peut-être que les prochaines fois, on fera debout. Mais là, cette fois-ci, j'ai encore envie de rester assise. Je suis bien assise. Hein? Donc, on va faire surtout travailler le haut du corps. Et donc, je lance la musique. C'est pas compliqué. Il n'y a rien à essayer de comprendre. Vous suivez juste ce que je fais et vous allez voir. Tout en suivant ce que je fais, vous allez pouvoir profiter exactement tout le monde de la même chose. Ok? Donc, c'est parti. Je vais vous mettre de la musique un petit peu plus rythmée si je la retrouve afin que l'on puisse échauffer un petit peu le corps. Et attention, c'est parti.
Avec les doigts. Et la banane. Les poignets. La banane. Et on fait bouger tout ça. Les épaules. Et les plus en plus droit. Et en avant. Avec la tête. Doucement. Et les zygomatiques. Et c'est parti. Dans tous les sens. On délie tous les mouvements. Voilà. Super. Voilà. Je vous invite à prendre une grande inspiration. Et une grande expiration. Une grande inspiration. Une grande respiration. Expiration. Il faut dire que le yoga du rire, c'est du yoga. Et le yoga, ça se base sur la respiration. Donc, on se base aussi, nous, sur la respiration. On inspire. On bloque. On expire. On inspire. On bloque. On respire. Et bien maintenant, on va commencer donc ces exercices de rire. De temps en temps, dans les exercices, alors on le fait plus souvent quand on est en groupe. Là, par visioconférence, on le fait un petit peu moins souvent. C'est un petit peu plus difficile. On met au centre une sorte de rituel, ritournelle. De petits de gimmicks, de mantras, certains appellent ça des mantras, c'est pas très compliqué. Avec vos mains, vous allez faire ce rythme-là. Ok? C'est simple. Et avec votre voix, et surtout avec vos abdos, je vais vous montrer, voilà, les abdos, vous allez pousser chaque fois. Oh! Ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. En poussant l'air à l'extérieur à chaque fois que vous faites un H de ha. Ok? Et sur le même rythme, ça fait ho, ho, ha, ha, ha. 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 C'est parti! Je vous invite à commencer ces exercices de rire. Alors, je vais vous dire rapidement le nom des exercices de rire que nous allons faire. Le premier, c'est « J'ai pas envie de rire ». J'ai pas envie de rire, non, c'est pas possible. J'ai pas envie de rire.
envie de rire, j'ai pas envie de rire. J'ai pas envie qui fait toujours hurler de rire. Vous prenez le combiné du téléphone et là, on vous raconte une bonne blague. Alors il faut en profiter, rions. Sur la plage, comme je vous ai dit tout à l'heure, et sur la plage, il y a toujours plein de petites mouches. Vous savez, on est en début de saison, il fait pas encore super chaud, mais il y a plein de petites mouches qui sont tout le temps en train de vous coller. Alors, on va chasser les mouches. Ha ha ha!
Et quand on aura complètement, alors là, c'est l'hystérie totale, allez. Ha ha ha!
Je vous invite maintenant à mettre vos deux mains devant et à prendre une grande inspiration et une grande expiration. Inspiration. Vous pouvez recommencer cette respiration autant de fois que votre rire n'arrive pas à s'arrêter. Si vraiment vous n'arrivez pas à arrêter de rire, vous vous posez calmement, vous respirez, vous bloquez, vous relâchez le plus longtemps possible et vous intériorisez le rire, c'est-à-dire que le rire ne va plus être son maître. Et ça, plus la respiration, vous allez arriver à contrôler votre rire. Je vous invite maintenant à vous installer confortablement. Nous allons avoir un temps pour revenir au calme. Je vous invite à fermer les yeux et à essayer de vous détendre le plus possible. Je vous invite à être témoin de votre respiration. Inspire, expire. Juste témoin, sans aucun jugement de votre part. Inspire, expire. Je vous invite à prendre conscience de tout ce qui se passe là, maintenant, dans votre corps suite à cette séance de rire. Toutes ces sensations que vous n'avez peut-être pas l'habitude de ressentir. Le rire provoque une libération d'hormones et d'endorphines qui ressemble à des petites bulles d'énergie qui éclatent partout dans votre corps. Ressentez-vous? Il n'y a pas une parcelle, une cellule de votre corps qui ne se remplisse pas de cette énergie de joie. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez avec la joie et le bonheur de recueillir toute cette énergie. Et vous expirez avec le grand bonheur et la grande joie de pouvoir la renvoyer dans le monde. Renvoyer une partie de cette énergie vers les autres, tout comme ces autres vous l'ont renvoyée. C'est un échange. Chacune de vos cellules s'en emplit. Je vous invite à laisser vagabonder votre esprit dans un lieu agréable, un lieu connu de vous seul, où vous pourriez déposer cette énergie. Un lieu secret et sécuritaire. Un lieu qui vous permettrait, en cas de besoin, de retrouver cette énergie pour vous en abreuver et enrichir.
Et puis maintenant, je vous invite à remettre du mouvement dans votre corps. Je vous invite à revenir ici et maintenant, à ce moment précis, à cet instant, à ce présent. Voilà. Voilà, cette session est terminée. J'espère que vous en avez bien profité. J'espère que vous êtes tout plein de cette énergie positive que vous devez sentir partout. Sachez que je serai de retour la semaine prochaine, je pense. Je crois qu'on a prévu ça jeudi, je ne sais plus. Vous vérifierez bien dans les plannings qui vont vous être donnés puisque nous sommes en changement en ce moment dans le groupe. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous souhaite une très belle nuit, pleine de rêves, pleine d'énergie, pleine de bienveillance. Faites attention à vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos amis, prenez soin de vos proches et c'est avec très grand plaisir que je vous retrouve à très bientôt. Alors, belle soirée et surtout, n'oubliez pas de rire.